La victime. Je sais que tu as engagé quelqu'un pour me tuer. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais parfaitement ce que je dis. Le mari. J'ai quitté ma maîtresse, tout est terminé entre nous. L'amant. Jonathan Brinkman, délit homicide volontaire. Est-ce que tu connais l'homme avec lequel tu vis ? Non ! Non ! C'est ton mari qui m'a engagé pour te tuer. La liaison. L'amour fait mal. Rebecca, tu es là ? J'arrive tout de suite. Tu as raconté à ton mari comment on a fait l'amour l'autre soir. Non ! Non ! Face au crime. Les nazis tirent les ficelles du monde. Mais André Toulon n'a pas besoin de ficelles pour faire bouger ses marionnettes. Monsieur Toulon a développé une méthode pour animer des marionnettes sans ficelles. On les croirait vivantes. Si Stein a réellement vu ce qu'il raconte, ça pourrait être très important pour mes recherches. Voici une des marionnettes dont je vous ai parlé. Non ! Elsa ! Prenez ce que vous voulez, misérable, et fichez camp d'ici. C'est vous que nous voulons, marionnettiste. André ! Amenez-le dans la voiture et conduisez-le Elsa. À la Gestapo. Non. Embarquez également toutes les marionnettes. Je n'ai jamais vu d'homme jouer à la poupée auparavant. Monsieur Toulon a échappé à votre surveillance. Nous sommes sur le point de le capturer. Oui, on ne m'empêchera pas de continuer mon œuvre. Et vous implorerez ma pitié. Et je n'en aurai aucune. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Trouvez-le-moi ! Je me fiche de savoir combien d'hommes il vous faudra ! Mais trouvez-le ! Monsieur Toulon, vous êtes un véritable génie. Oui. C'est tout ce que je peux faire pour toi maintenant. Mais tu vas pouvoir assouvir ta vengeance. Quel est votre secret ? Aucune pitié. Vous croyez que j'ai peur de ce jouet ? Vous aurez peur, je le sais. Puppet Master 3, la vengeance de Toulon. Tu m'as manqué. Oh. Sexe. Quoi ? 20 000 dollars ? Argent. Chantage. Tu es sûr que ça va ? Oui. Pourquoi tu me demandes ça ? Violence. Vous allez le tuer ! Et meurtre. Mais bordel, qui êtes-vous ? Je suis votre nouvel associé. Quand le mensonge est quotidien... Non, il n'y a rien à faire. La mort est au coin de la rue. Vous êtes arrivé trop tard. Tire ! J'ai Qu'est-ce que tu attends ? J'ai besoin pour me débarrasser du corps, tu le sais bien. Ah, tu crois que c'est facile ? Une sale arnaque. Oui, je l'admets. Ce n'est pas une belle façon de gagner sa vie. Une sale arnaque. Oui, parce que c'est urgent. Oh, il faudrait envoyer une copie aux étudiants de quatrième année. Oui. Et Bill ? Bill, ne vous inquiétez pas. L'opération se passera très bien. Vous avez perdu votre bras dans l'accident de voiture d'hier. Nous avons été obligés de vous faire une transplantation. On dirait que c'est dégoûtant. Oui, je sais qu'il a l'air un peu rafistolé.
Je crois que j'ai un sérieux problème. Oh, c'est ce bras. Billy ! Quoi ? Qui t'a fait ça ? Ce bras appartenait à un criminel notoire. Chérie, on t'a greffé son bras et non sa personnalité. Je veux que tu vérifies mes empreintes. Pourquoi tu t'inquiètes ? Tu crois que tu as tué quelqu'un ? Vous m'avez greffé le bras d'un tueur sans même m'avertir. De lui-même, ce bras n'a aucune autonomie. Il ne fera que ce que vous voudrez. Et qu'en savez-vous, docteur ? Comment suis-je arrivé là ? On dirait que ce bras a sa propre personnalité. Où se situe le mal ? Dans l'âme ou dans la chair ? Alors, docteur, le mal vous tient, ça y est ? Je parierais que vous avez des insomnies. Mon Dieu, mais pourquoi tout le monde refuse de voir la vérité ? J'ai frappé mon fils, j'ai essayé d'étrangler ma femme. J'ai des cauchemars chaque nuit. Vous allez me l'enlever ! Est-ce que vous réalisez le travail que moi et mon équipe avons accompli pour vous greffer ce bras ? Karen, tu prends les enfants et tu pars chez ta mère immédiatement ! Body Parts. Nous sommes les artisans de l'avenir.